Hey, bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de Sims 2. J'espère que vous êtes très content de retrouver ce let's play sur la chaîne. En tout cas, moi je suis très très content puisqu'on a enfin déménagé hein, dans l'épisode précédent. Et ça, c'est un point que j'avais déjà dit dans l'épisode 4, je crois, et je reportais à chaque fois parce qu'il y avait d'autres trucs. Bon, j'ai choisi le patelin le plus, pas le plus pourri, mais le plus campagnard, on va dire. On n'est pas dans la ville. Du coup, je ne sais pas si je peux partir visiter les autres lieux. Vous savez, un peu style Sims 4, là. Je ne sais pas. En tout cas, hop, on va prendre... Alors, lui, il veut aller sur un terrain communautaire. Ok. Et il fait nuit. Est-ce que tu travailles demain, mon petit Sims? Il en va... Ouais, demain, donc, tu travailles. Ouais, c'est pas de bol. Bah, peut-être qu'on ira, je sais pas. En tout cas... le pauvre, j'aimerais pas être à sa place parce qu'en fait, sa femme est en train de parler à un autre gars. Et lui, il est juste derrière, en train de mater la télé. Donc Adidon m'avait suggéré de changer, enfin de, lui aurait fait plutôt le truc du chien ici et le salon là-bas. Mais ouais, c'est peut-être un truc à voir. Du coup là, il va lui rouler un patin devant pour faire genre, c'est ma femme, t'y touches pas, ok, capiche. Donc là, on a le fameux toit. Mais je vais juste aller aux toilettes. La petite qui dort là, le chien qui... Attends, le chien, je vais lui demander... Ouais, bah non, je ne veux pas que tu ailles là. Hein. C'est le lit de notre fille. Donc elle va aller. Pas sauter dessus. Mais plutôt. Bah, sauter dessus. Vas-y, éclate-toi. Elle a pas des devoirs en fait. J'arrive jamais à voir l'inventaire en fait. Il est où? Ah, mais j'ai rien. J'ai rien dedans. Donc... Ouais, il est que 21h en fait. Pourquoi tout le monde est parti dormir? C'est une blague. En tout cas. Elle a très faim, donc on va aller nettoyer et servir le dîner. Alors, elle va se faire un dîner elle toute seule. Des spaghettis, voilà. Et vous voyez, lui, je crois que c'est un des Sims utilisé dans l'histoire de vie, je suis plus sûr. Mais en tout cas, ouais, on vit vraiment à la campagne. Et moi, je fais l'égoïste, je me sers moi-même. Qu'est-ce qu'elle a? Faire du patin à roulette. A plus. Faut être poli hein, avec les invités. Elle est venue avec son kilt en plus. Voilà, je crois qu'elle va dormir. Voilà, c'est leur première nuit, je me semble, dans leur nouvelle maison. Mon PC commence à laguer, c'est pas bon. Ah oui, c'est vrai. Je fais un rendu, c'est pour ça. Moi, je me lance dans ça, mais c'est parce que j'attends l'infirmière. Alors du coup, ben, voilà, je suis obligé de faire mes enregistrements. Surtout que j'ai pas une bonne fourchette d'heures. Hein. C'est entre midi et 14h. Alors du coup, voilà. Donc faut bien que je me mette à faire mes enregistrements. Mais c'est pas de bol. Ah, elle a envie de faire un petit pipi. Bon, le mari, là, il est bien. Il est 6h du matin. Ah bon, on va se lever. Le transport arrive bientôt. Donc, on va déjeuner un petit peu. Servir le dessert. Prendre un petit déjeuner. Des céréales, s'il vous plaît. Ah, il va se laver avant. Pourquoi? Bon, il va plus se laver. Ah oui, la nounou est arrivée. Bernard doit être au travail dans une heure. Ah, c'est vrai, c'est vrai que c'est moi qui pilote. J'ai pas le temps de manger, en fait. Vite, vite, vite. Fonce. Ah oui, le travail, j'avais oublié. Bon, ça va, on est bon. J'aime bien comment il déverrouille la voiture, lui. Eh, le bus, tu vois pas qu'il y a une entrée de garage, là? Oh! Ah non, bah on peut pas démarrer tant que le bus, il est là. Ah bah, c'est, il a réussi à partir. Du coup, ouais, elle s'était fait virer. Si je me souviens bien, ouais, elle est sans emploi. Tu vas peut-être t'habiller et pas rester comme ça.
J'arrive pas à se pomponner. Non mais... On peut pas s'habiller comme ça, là? Aucune possibilité sur le chien. Non mais c'est vrai que, par exemple... Bon, on va aller l'emmener en promenade. Mais c'est vrai que, par exemple, voilà. Dans les Sims 2, on peut pas contrôler le chien. Mais on peut voir ses besoins. Alors je ne comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait dans les Sims 4. C'était pas compliqué, quand même. Non mais sérieux, c'est vrai, hein. Moi, des fois, ça me choque. Quand on voit la régression même d'un pack, d'un simple pack d'extension, moi, je trouve ça choquant. Bon, bah, de toute façon, on va trouver du travail après. Bah, y a le journal, on me l'a ramené ou pas? Oui, il est là-bas. Donc, je vais remplir la gamelle du toutou. Et on en a les factures, en plus. Donc, faut que je cherche un travail. Elle se remet en... Ouais, d'accord. Science. Chercher encore. Flemmard. Chercher encore. Allez, on va accepter. On va prendre le journalisme. Prendre le courrier. Oh! Oh, elle vient de craquer sur lui! Ah ouais, elle a craqué carrément sur lui. Comment tu me trouves? Oh! Attendez. Ah, il y a de l'amour dans l'air. Charmé. Mince. Je sais pas pourquoi il y a eu ça. Mais je sais plus c'est quoi les éclairs. Ouais, bah écoutez, elle va draguer. Hein. Donner un animal. Oh putain. Ils se sont fait des petits bisous. On va jouer au football. Plein milieu de la rue. Comme ça. Hop, apprécier, admirer. On va le drague, hein, que voulez-vous. Hop, on l'a sait amicalement. Le mari arrive. Le mari arrive. On se cache. Mais de toute façon, il y a eu un fail. Tiens, mais c'est qui ça, chérie? En plus, t'es en sous-vêtements devant lui. Et lui, il dit salut. C'est une connaissance. Bah, écoutez, il va aller aux toilettes. Puis il va aller. Hop, payer les factures. 150 simfous, ça va. Dans ce temps, elle va faire la cuisine. Alors, elle va servir le déjeuner. Ouais, je crois que c'est ça. Servir le déjeuner. Repas instantané. Ah ouais, c'est clair que c'est un grand repas, ça. Il est où? Et là... bon, il va venir jouer avec sa fille sur le lac. Oh, on peut pas? On peut pas patiner dessus? Ah, oh, c'est dommage. Peut-être qu'il n'est pas encore assez glacé. C'est une possibilité. En plus, elle a essayé de draguer. Elle s'est pris un gros vent. Le chien, par contre, il est dehors tout seul depuis tout à l'heure. Et les petits s'amusent comme ils peuvent. Me photographier. What? Je peux pas déplacer ça? Je peux déplacer. Ouais, mais là, elle est partie, hein. Je veux dire, cherche pas. Elle est partie. Elle est même partie dormir. Du coup, on pouvait l'attendre longtemps pour la photographie. Il ne reste que 2 jours avant l'anniversaire de Caroline. Ah oui, c'est son anniversaire, les amis. Est-ce qu'on peut organiser un truc pour son anniversaire?
je pense que je vais faire une petite ellipse et puis comme ça au moins on va se retrouver pour son anniversaire les amis. Je sais pas ce que vous en pensez. Parti dormir. Elle est debout. Le mari. Bernard. Ok. Il est encore là lui? J'ai pas le temps de les suivre qui sont déjà partis. Thierry, tu m'invites à venir dormir et puis tu me laisses pas fermer l'œil. J'en ai marre, je m'en vais. Genre, elle l'a invité à dormir. C'est quoi ce délire? Elle l'a vraiment invité à dormir? Donner, laver. Ah non! Non, c'est pas bien ça! Viens, viens, on va te laver. Voilà, ce sera mieux. De toute façon, là, elle a encore faim. À la maison, c'est une porcherie. Je crois que je vais téléphoner, appeler les services. J'ai oublié, je crois, d'appeler les services d'une bonne, en fait. Ouais. Entremetteuse. Ouais. Ouais, là, à la maison, on a du mal. Ça traîne un peu partout. Mais bon. Vas-y, tiens, t'as qu'à servir le petit déjeuner, les céréales. Les 4 heures en plus. Bernard va se réveiller, il va aller aux toilettes. Du coup... Bah du coup c'est un peu la zizanie là parce que aucune action n'est possible sur l'assiette. Du coup j'ai ouais on a rien pour reprendre en fait l'assiette là, regardez. Je crois qu'elle est buggée mon assiette. C'est triste. Bah, il a mangé, je sais pas ce qu'il a mangé mais il a mangé. Peut-être que la bonne va réussir à nettoyer tout ça. Donc lui il part au travail. Avec sa petite voiture. Et voilà, il est parti. Il y a l'école, hein. Ouais, tout le monde s'en va de la maison, en fait. Même la nounou, elle sert plus à rien. Bon, la bonne, par contre... Ils me disent que j'ai encore du courrier. Mon jeu, il est bugué ou quoi? Normalement, ça, c'est... Il y a encore du courrier. On verra ça en rentrant. La bonne n'est toujours pas là. La nounou, elle aurait pu au moins s'occuper du chien. Non, mais c'est vrai. Donc, service de nettoyage. Nickel. Voilà. Ouais, je préfère. Quoi qu'elle a oublié de ranger le livre, le journal. L'assiette, là. L'assiette, je crois qu'elle est vraiment buggée, les amis. Du coup, je vais la mettre quelque part, là, qui m'embête pas. Voilà. Ouais, Bernard a reçu une promotion que le poste de auxiliaire médical. Vous avez étudié l'école de médecine et en êtes employé en tant qu'auxiliaire médical à mi-temps. Il faudrait lutter contre la fatigue et trouver le temps pour étudier. Ouais, mais ça, c'est nickel. Il me faut de la logique et du nettoyage. Là, il a juste envie de se reposer, hein. C'est clair. En tout cas, la neige frappe fort. Hein. On chôme pas. Hein. Mais c'est ça qui est. Voilà, qu'on a eu une espèce de rollback. Donc c'est un peu pénible. Alors, moi, ma Sims, elle grandit quand, alors, du coup. C'est là, ouais. Dans 2 jours. Hein. Qu'est-ce qui se trame? Et là, est-ce qu'on peut aller faire du patinage ou pas? Il me semblait qu'on pouvait à l'époque. Ok. Écoutez. Allez, prendre un bain.
Bah par contre la fille ouais là normalement je devrais avoir dans l'inventaire. Non j'ai rien. Normalement si ses devoirs elle est. Ouais elle les ramène ici, c'est ses devoirs, c'est pas un livre de la bibliothèque. Alors ce que je vais faire, je crois que je vais lui faire un petit bureau. Parce que c'est vrai que on n'a pas encore acheté de bureau. Est-ce que j'ai un bureau pour enfants? À la limite, on va prendre celui-ci, vu qu'il y a des motifs. Pas d'escalier, voilà. Mais sans ordinateur, vous savez, on est des campagnards, sans on le sait, donc du coup. On va juste prendre ça, voilà. Et comme ça, elle pourra aller faire ses devoirs normalement dessus. Alors lui, il prépare le repas. J'espère qu'il le prend. Voilà. Mettre les restes de côté. Crier à table. Alors attendez. Crier à table. Tout le monde. L'anniversaire de Carolina aura lieu demain à 6h. Du soir. Alors crier à table, famille. Mais pourquoi il veut pas crier à table? Bon bah écoute. Ok. Bon bah elle au moins elle sert sa famille. Oh là, il y a eu du rototo. Alors lui par contre il est super fatigué donc il va déjà aller dormir. Ah ça sent bon les spaghettis, hein? Aïe aïe aïe. Je sais pas pourquoi j'ai fait Mexicanos mais normalement c'est le chef Gino qui a fait les spaghettis, voyez-vous. Vous allez l'entendre beaucoup là cette semaine. Et cette barre, ils sont faits à 9%. Elle a du mal. Tempête de neige. Dernière paire de personnes pour la vie, pour que vous restez au Bernard. Ben, je sais, Bernard, mais bon. Alors, je vais acheter un. Qu'est-ce que je vais acheter pour la logique? Le jeu d'échecs, voilà. Ah, regardez-moi ça, c'est juste excellent. Eh, les danses qu'ils avaient fait à l'époque comparées à maintenant. Alors celui-là qui me dit que, hein, voilà. Regardez-moi ça, c'est la fête à la maison. Dès qu'elle revient, on organise en fait son anniversaire. Le gâteau, je crois qu'il faut l'acheter. Donc, faut pas passer par la cuisine, mais bel et bien l'acheter. Ah bah, le jour de son anniversaire, on a encore les factures, quoi, dis donc. Ils sont tous partis au travail. Non, sauf lui. Alors, on va mettre un peu de. Mettre un hein? Mettre shopping. On va mettre de la techno. Attention. Terminé, propre comme un sou. Viens danser, mon petit. Il vient de tomber. Elle était jeune là encore. C'est pas encore un papy. C'est de s'ennuyer. Bah il travaille pas. Mais oui, c'est vrai, s'il travaille. Bah attendez, si, il travaille normalement, non? Ah ouais, mais c'est à 20h, c'est pas pareil. Il va rater l'anniversaire de sa fille. Les notes de Canel sont catastrophiques. Je peux rien. Alors je crois qu'on va cliquer sur ça, organiser une fête anniversaire. Juste de Sims. Oh.
Oh, Mibli, oh, look up! Ah ouais, ils sont pas tous venus, ça c'est nul. Alors le gâteau, je ne sais plus où il se trouve, les amis, par contre. Je crois que c'est dans diversité. Voilà, c'est là. Donc il y a plusieurs gâteaux. En fait, j'aurais pu décorer tout la maison. Mais je n'ai pas fait. On va le mettre là-bas. Bon, c'est un petit anniversaire, hein, on va dire. Allez, soufflez les bougies. Tout le monde arrive. Elle paraissait plus jeune, on dirait qu'elle a vieilli entre temps, là, Brigitte. Voilà. En plus, on avait le droit à une petite cinématique. C'est parti pour la fiesta. Alors, on va choisir au plaisir. Voilà. Sims qui peuvent vieillir. Et Sims qui vont vieillir avec Carolina. Voilà, bon ben voilà. C'est ses amis. Ah oui, en fait, on peut choisir. Vous avez décrit cette période, je dirais, mais. D'accord, ouais. Donc, on peut choisir les poteaux en fait de Carolina qui peuvent grandir, mais ça, c'est la classe. Enfin, voilà, les amis, elle est enfin grande. Attendez, pour la fête, elle va aller danser sur la techno là. Ah, non, attendez, hey, attendez. Je sais ce qu'on va faire. Et tous ensemble, les amis. C'est la fête de Carolina. Et on va conclure cette vidéo sur ça, les amis. Hein, c'est la folie. C'est la folie. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je vous dis donc à la prochaine pour la suite. Et portez-vous bien. Soso. Yeah.